Viens voir à quel point Swan est dégoûté pour mon vlog. Tu m'étonnes. Hein? Tu m'étonnes. Quoi, tu m'étonnes? Tu m'étonnes que je suis dégoûté. C'est Steve. Je vous appelle concernant Moshi. Bah, ce sera pas possible de venir le chercher aujourd'hui. J'ai un empêchement. Et... Swan, tiens. Tiens-le bien. Ouais. Oh. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vlog mes amours. Et là j'ai dit, j'ai dit je reprends ma chaîne YouTube en main. Il va y avoir des vlogs, des pranks, tout ce que tu veux. Donc mes amours, aujourd'hui si je vlog, c'est pour une raison que je vous avais promis sur Insta et sur TikTok. Du coup je vlog parce qu'aujourd'hui on va chercher Moshi. On va chercher ton frère. Mais il veut juste bouffer mes Jordan. Non, c'est une paire limitée. Donc je vous disais mes amours, on va chercher Moshi. Donc c'est le deuxième bulldog français qu'on va adopter. Ça fait un mois et demi que je l'attends. Sunny c'était pareil, donc ça fait un mois et demi qu'on l'a réservé. Et que j'ai vu que quelques photos. L'éleveuse super sympa, m'envoie tout le temps des photos, etc. Aujourd'hui je vous embarque avec moi. Pour le moment Lilou et Swan sont partis à l'école. Il est environ 9h, un peu moins. Là je vais mettre Sunny en laisse parce que du coup l'éleveuse aimerait bien le revoir. Parce que pareil ça fait un mois et demi qu'elle l'a pas vu, tout simplement. Donc elle, ça va être trop bien. Je pourrais pas filmer là-bas par contre parce que j'ai pas demandé, puis c'est gênant un peu. Mais je vais vous filmer la route, dès qu'on va le réceptionner dans la voiture. La réaction de Swan et Lilou, la réaction de Sunny quand il va voir son frère et de mes autres chiens. On va faire quoi d'autre? Bref, on va faire plein de trucs. Reste là, ça va être trop cool. On y va? Regardez, j'ai enlevé mes extensions hier. J'ai enlevé mes extensions, ça va, j'aime bien. Mes cheveux ont peut-être un peu poussé, bon. Ça fait du bien. Mes amours, il est pas motivé là, il a pas envie. Ah, ça y est. On va chercher ton frère. C'est bon, il court du coup. On est arrivé, donc là il est excité. Là je vais pas filmer chez les gens et tout, mais on se reprend tout à l'heure. Voilà le bébé, je vous le montre en vitesse et je vous le remontrerai mieux après. Tada! Regardez comme il est trop beau. Moshi. To you, here's your time to shine. Show me what you can do. Mes amours, on vient de rentrer à la maison. On s'est pris une pluie, laissez tomber. Donc là je pourrais mieux vous montrer Moshi. Ah bébé, il est trop calme mes amours. Je sais pas si vous voyez mais il a les yeux bleu vert. Mais trop beau. Et il est trop beau. Franchement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez vu, je vous ai mis juste avant les images. Sunny, il s'adore déjà. Genre en fait, dès qu'on est arrivé chez l'éleveuse, et ben, ils ont joué directement ensemble. C'était les deux qui étaient genre collés et tout. Donc franchement, je suis trop contente et je suis trop contente de l'avoir. Donc là, on va passer à la présentation avec Junkie Hero. Je crois que ça va pas être pareil. Ils vont être au bout de leur vie. Donc là. On a les trois petits chiens. Vas-y, présente-leur. Il s'est caché. Il y a un nouveau bébé. T'es pas prêt de voir. Un petit bébé. Oh, je crois que ça se passe plutôt bien. Je suis un peu choquée. Ils se sentent et après ils vont pas être d'accord pour moi. Ils avaient fait ça aussi à Sunny. Voilà, deux chihuahuas et deux bulldogs. Ben franchement je suis choquée, je croyais que ça allait être pire. Faites pas attention si c'est un peu sale ici parce qu'il pleut dehors, on vient de rentrer avec nos chaussures sales et tout. On va aller faire quelques shopping. Oh mon rouge à lèvres il est dégueulasse. Ouais pas me le tire toi. C'est vrai que ta caméra va te répondre. Non je parle à mes abonnés. Ah justement. Ils doivent me le dire. Bah y'a personne qui va te répondre. Si ils vont me répondre. Dites-le dans les commentaires mes amours que vous me répondez. Bref, du coup là, je vais aller faire un peu de shopping skincare. Je vais aller à Normal. Je sais que
que vous adorez ce magasin. L'autre fois, je vous avais fait un haul pareil sur TikTok. Désolée si je touche tout le temps mes cheveux, mais j'ai pas l'habitude de pas avoir d'extension. Et on va aller manger aussi. Je crois qu'on va prendre un McDo comme d'hab. Je suis en train de devenir obèse. On y va? Bref, tout à l'heure, je vous filme la réaction de Lilou et Soane. J'ai commandé un produit que je vois partout sur TikTok. C'est ça. Criolant. Mes ongles sont dégueulasses. Je les ai limés parce que je les ai pétés. Bref, faites pas attention. Et en fait, c'est du sang que vous mettez dans les yeux. On va tester ça. Je vais vous montrer. On le fera juste après. Mais en fait, je vois ça partout sur TikTok en noir et en rouge. Je l'ai pas trouvé en noir parce qu'il est en rupture. Mais là, je vais mettre ça dans mes yeux. Ça fait flipper. On va tester ça ensemble. Allez, petite promenade avec Tonaton. En amoureux avec Tonaton. Regardez, il est content. Bien sûr que je suis content. Ah, et regardez comment on se tient. On se tient comme des... Tu veux qu'on se donne la main? Hein? Tu veux qu'on se donne la main? Qu'est-ce que vous pensez de mon petit look? Mes petites chouchous en éponge que j'ai acheté, que j'ai acheté à Bershka. Fais pas semblant, t'as bégayé. Bah ouais, le pull du coup Yes Style, trop canon. Encore je l'ai remonté mais il est poche et tout. Il est pépite et le jean Noël Kozara. Et du coup j'ai mis mes petites les chaussures tant recherchées de chez New Balance. Non. C'est ça, tu vas rester ici toi? Oui non, parce que des fois en montage je fais des trucs comme ça, mais là je peux le faire tout seul. I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to... Au final, on va manger ici. Plein de poils et plein de bave à cause du chien. Bah ouais, bah c'est ça hein. J'espère que le rancho, ils vont être contents. Un vrai bonhomme. Oh là là. Un vrai bonhomme. Première terrasse depuis le déconfinement. C'est même pas vrai. C'est pas vrai. Mes amours, le restaurateur nous a prévenu que s'il pleuvait, et ben ça c'était des pare-soleil. Du coup, ben il allait pleuvoir sur nous. Regardez, toutes les tables, elles sont trempées. Du coup, ben on croise les doigts pour pas qu'il pleuve sur nous. On n'est pas bien, nous. Ça a l'air grave. Bon. Avec mes belles mains. Tu veux que je prends en même temps que toi avec mes belles mains? Merde. Bon. Bon, bon, bon. T'as bien mâché. T'as bien mâché, Bouli Bouli. J'ai bien mâché, mes chéris. C'était bon. J'ai mal au ventre. Mais vraiment, j'ai mal au ventre. Et c'est moi qui a raqué. Quoi? Qui a hacké? Ouais, d'accord, ouais. C'est moi qui a hacké. Chut! On regarde personne! Non, franchement, mes amours, c'était bon, ça fait trop du bien et tout. Donc là, maintenant, on va aller faire un petit tour, chercher de la skincare. On va où? Chercher de la skincare. Here's your time to shine, show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. Regardez ce qu'il veut s'acheter. Maintenant, le pauvre, je l'embarque dans tous mes trucs. Voilà tout ce qu'on a acheté. Montre mon sac. Attends, je te présente les produits. Attends. Oh my god, mes amours, je vous ferai un haul incroyable. 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 Bon mes amours, du coup maintenant on va aller chercher Lilou et Soane à l'école. Il est presque 4h. Donc voilà. On a décidé qu'on allait leur faire un petit prank, genre mais vite fait. C'est mon chéri qui m'a donné l'idée. On va faire genre que ça a été décalé pour Moshi et qu'on l'a pas récupéré et qu'on pourra le récupérer seulement dans une semaine. Ils vont péter un câble.
Bon, mes amours, vous allez rigoler. Genre, pour le prank, ce que j'ai fait, c'est qu'on a envoyé un message à l'éleveur. Et bon, mes amours, du coup, on a le message où il dit que ça sera pas possible de venir chercher Moshi aujourd'hui, qu'ils ont un empêchement et qu'il sera disponible que la semaine prochaine. Donc, de toute façon, je vous ferai écouter tout à l'heure en même temps que Swan et Lilou. Ils vont vriller depuis le temps qu'ils attendent. Genre, ils étaient trop excités de rentrer de l'école et tout. Et au final, ils vont apprendre que ben, il y aura pas. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le mini prank. Appel concernant Moshi, ben, ce sera pas possible de venir le chercher aujourd'hui. J'ai un empêchement et je suis pas dispo avant vendredi prochain. Donc vous pouvez venir le chercher, mais ben, que vendredi prochain du coup. Je suis encore désolé, j'espère que les enfants ne sont pas trop tristes. À bientôt, une bonne journée. Mets-moi au courant quand même, mais bon, encore désolé. Autrement, j'achèterai des trucs trop bien à Sephora. Petite gamme, petite gamme Too Faced, petite gamme Patchology, ainsi que Patchology, ainsi que petit cadeau Ham. Non. C'est de plus en plus hilarant. Ouais, j'ai dit, c'est trop bizarre parce que normalement, au plus t'as des abonnés, au plus tu dois faire attention à ce que tu dis. Sauf que moi, plus j'ai des abonnés, au plus on bat les steaks. Mais ah, mes amours, je commence à avoir la voix cassée. J'ai trop mal au ventre. Je suis en crise de Crohn à cause de lui. Quoi? Il m'a fait manger comme un goinfre. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui as voulu choisir tout ça. Manger pour 4 personnes. Tout ça, j'ai mangé que mon hamburger. C'est quoi cette coiffure? Bref, mes amours, je vous reprends après. Lilou, elle s'est pris la pluie. Ça sent bon, hein? On a été à Sephora. C'est pas Sephora, ça, c'est un odeur de nourriture. De nourriture? Non, on a été manger en terrasse. Sous la pluie. Sous la pluie, comme ça, en amoureux. C'était vachement bien. Ouais, cool l'ambiance. Là, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, ça sera plus cool l'ambiance, je te filme en même temps. Par contre, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Bah, déjà, tu vois que j'ai été assez fort et tout, c'est que je reviens pas de la maison. Là, tout l'après-midi, j'étais pas à la maison. Ouais. On n'a pas récupéré le chien. On récupère la semaine pro. C'est très drôle, j'ai vu la maison, le truc. Oh, mais quel con. C'est raté pour rien. Mes amours, il est nul. Là, j'avoue. Là, mes amours, c'est n'importe quoi. En fait, quand on a récupéré le chien, l'éleveuse, elle nous donne une caisse. Et dedans, il y a des jouets, une petite couverture, des croquettes et tout. Et Lilou, elle l'a vu. Bah, bon, c'est pas grave, on va pranker Swan. Bah ouais, on va pranker Swan. On va casser, on cache la caisse. Lilou, tu fais semblant que t'es dégoûtée et tout. Bref, Lilou va faire l'actrice. Bonjour Swan, il y a Swan qui revient de l'école, mes chéris. Aussi trempé la base. Ah, c'est un peu rude. Regarde la tête de Lilou et tu vas deviner. Non, par contre, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle. Quoi? Belle. Quoi? Moshi, on le récupère la semaine prochaine, vendredi prochain. Quoi? Parce qu'au final, ils n'ont pas été disponibles. Pardon, Moshi. Non, et comme je savais que tu allais croire que je mens. J'ai même le message du mec. Regarde mes messages. Attendez, mais chérie, je savais qu'elle allait croire. C'est pour ça que je lui dis maintenant, dès que je fais un truc, il pense direct que c'est un prank. On fait comme ça, à la semaine prochaine, bonne journée. Bref, bah, c'est pas grave, semaine prochaine. Du coup, on va au magasin. Fais la preuve, regarde, j'ai été assez fourré et tout. Donc, c'est vrai, on doit attendre la semaine pro. Pas trop dégoûté? Moi, ça va vite. Lilou, elle est dégueu, elle parle plus. Bon. Ouais, ça va vite, mais bon, ça fait déjà quand même un moment qu'on attend. Donc. Ouais, ça, en attendant, on a notre chien. T'attendais de revenir de l'école, t'étais pressé. Pas commence pas à pleurer, hein. Faut pas pleurer juste pour ça, il y a Sunny. Ouais. Il y a déjà Sunny? Bah ouais, mais il y a pas moi. Bah la semaine prochaine. À quel point Swan est dégoûté pour mon vlog. Tu m'étonnes. Hein? Tu m'étonnes. Quoi, tu m'étonnes? Tu m'étonnes que je suis dégoûté. Bah, un petit mot pour ceux qui ont
qu'ils ont annulé au final. C'est pas gentil. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire quand ils verront la vidéo? Bah si. Ça sert à rien de... On vient juste, on sort, hein. Je prends le chien. Ah là là, désolé mes chéris, ça bouge dans tous les sens, mais on roule en même temps. Ouais, on vient juste pour prendre le chien, mais ils étaient pas dispo, ils étaient pas chez eux. Pas avant la semaine prochaine. En plus, moi, je me suis dit, ouais, vas-y, au moins, on pourrait y aller peut-être demain ou quoi, mais même pas. Je rigole. T'es sûr? On a le chien. Il ou elle le savait. Elle était pas sur ma chérie, il a eu les larmes aux yeux. Vous avez vu, je vous ferai un zoom, il a eu les larmes aux yeux. T'as quoi à dire? T'es content? Oui. Bah vas-y, on se retrouve à la maison et on va voir les connaissances entre les enfants et le petit chien. Commence par Swan. Mets-toi là, Swan. Non, mets-toi contre le frigo. Swan, t'es prêt? Swan, tiens, tiens-le bien. Ouais. Oh. Alors, il est trop beau. Ouais. Trop beau. Bon, allez-nous de découvrir le chien. Vas-y, Swan, donne-lui. Salut bien Lilo. Hein. J'ai rien dit, il est trop mignon. Il est plus beau qu'en photo, ouais. Ah, bah là, là, il y a ses poils. Salut toi. Il est trop mignon. C'est moi, je t'en prie. Je fais compte de tout ce que j'ai. Lui, lui, lui et lui. Et eux. Et le plus gros des chiens. Et le plus gros des chiens. Oh là là, oui, ouais, sauvage. Bon, mes amours, du coup, comme vous le savez, j'ai énormément de skincare, genre la meuf addict. Mais là, du coup, bah, je vais vous montrer le shopping que j'ai fait à Normal. Alors, il y a tellement de trucs. Ouais, j'ai acheté des rasoirs. Alors en vitesse, un chouchou trop mignon, regardez, il est trop beau, genre on dirait une guimauve. Il y avait des petits masques comme ça, trop beau. Des fossiles, je vous montre vraiment en gros, mais je vous montrerai mieux sur TikTok. Je sais pas si c'est un vrai pour le prix que j'ai payé, mais c'est une pierre de jade. D'autres masques. Un vernis durcisseur pour les ongles. Des masques pour les cheveux. Encore ça. Mes amours, c'est compliqué de vous montrer quoi que ce soit parce que le chien, il est super. Ils sont tous super excités de l'arrivée du nouveau. Il est énervé comme je sais pas quoi, monsieur Sunny. Parce que bah, il a un nouveau copain avec qui jouer. Du coup, bah, ça l'excite. Alors qu'eux, ils sont tout calmes. D'autres masques pour les cheveux. D'autres masques. Bref, en gros, vous avez compris, j'ai pris que de la skincare. Et regardez, j'ai trouvé un masque qui ressemble à Moshi, comme par hasard. Regardez, ce masque-là, il est canon. Je sais pas si vous allez bien voir, il a des paillettes et tout dedans. Bref, ça, c'est anormal que je trouve tout ça. Encore des masques. Bref, tout ça, c'est pour faire du contenu sur TikTok. Voilà, durcisseur. Voilà, de toute façon, je vous montrerai tout ça mieux sur TikTok, mes amours, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est un sérum pour les lèvres. J'ai jamais vu ça. Et à Sephora, du coup, j'ai pris des petits patchs Patchology. Ouais, il a plus dans mon sachet. Effet sirène pour faire un look Ariel. Et j'ai enfin trouvé la gamme Too Faced Hangover. Donc je suis trop contente. Petit cadeau que j'ai eu. Un bébé Huda Beauty. Un bébé mascara Tarte. Je vous montre vraiment à l'arrache. Je vais vous dire, mais c'est quoi de ce haul à l'arrache? Mais je vous montrerai mieux sur TikTok. Et ouais, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Mais là, vous voyez, j'étais trop pleine d'énergie. J'étais trop contente. J'ai récupéré mon chien et tout. Et du coup, voilà, j'ai craqué. Mais je vous ferai plein de skincare sur TikTok. Donc, go me follow. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Mes amours aussi. Je vous avais promis en début de vidéo de tester le sérum
rouge là. Et vu que le fake blood pour mettre dans les yeux. Mais du coup je l'ai trouvé. Et vu que je l'ai payé 30 balles ce petit truc, et bah du coup je vais le tester dans un TikTok. Et je vous le mets juste ici le TikTok, parce que du coup ben je peux pas être faire ça face cam, c'est un peu compliqué. Mais regardez ce que ça donne, j'espère que ce sera pas un fail. En tout cas voilà, c'est spécialement pour les yeux hein. C'est pas un sérum, que c'est pas n'importe quoi. Mettez pas n'importe quoi dans vos yeux, c'est vraiment exprès pour les effets spéciaux, pour les make-up d'Halloween, etc, etc. Donc voilà mes amours, autrement dit, je vais clôturer ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Mais là il fait trop sombre à la maison, et puis il y a les chiens qui courent partout, ils sont trop excités. On a envie de profiter des chiens aussi, donc forcément je vais pas vlogger jusque demain matin. Mais voilà, je voulais trop vous vlogger ça, que vous voyez un peu les réactions de tout le monde, que contrairement à Sony, que vous pouvez suivre mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, like, commente et abonne-toi. Bisous mes amours. Ah, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo hein. Peace. Ouais ok.